Le 68. Ah oui, ah oui, c'est moi. Le numéro 68, s'il vous plaît. C'est moi, oui, c'est moi. C'est moi, monsieur. Mademoiselle, bonjour, excusez-moi, mais on vous a pas donné un académique tout à l'heure. Oui, bonjour, vous voulez dire le truc, là? Oui, le truc, là. Oui, bonjour, ben si ça te dérange pas, monsieur, je préférais passer l'audition comme ça parce que je me sens un petit peu mieux pour danser. Ah, justement, si ça me dérange, parce que si on vous a donné un académique, c'est parce qu'on a besoin de voir votre corps, vous voyez? Mais là, vous voyez pas mon corps, là? Ah, pas vraiment, non. Alors, je suis obligée de le mettre, le... Oui. Ouais, ben je l'avais mis. Ouais. Ouais, mais je trouvais ça faisait un peu... Mais je l'ai, ouais, je l'ai là. Bon, vous passez, s'il vous plaît. Ouais, d'accord, mais je sais pas d'où tu me parles, monsieur. Je sais. Mais bon, c'est vous dépêchez, s'il vous plaît. Ouais, pas de problème. D'accord. Hein, le téléphone, il y a le... Allô? Oui, ah. Ouais. Quoi? Je vois là. Quoi? Hein? Non, d'accord. Attends, c'est pas du tout ce qu'on avait dit. Non, on n'avait pas dit ça. Donc c'est ça, ouais, ok? Donc tu l'appelles. Non. Allez. Non, c'est toi qui l'appelles, ok? Voilà. Je peux pas te parler sur une audition. D'accord? Voilà, je te dis. Ok. Ciao. Bon, ah ben voilà, ça vous va bien le mauve, hein? Mademoiselle Juliette Ferrier, c'est ça? Ouais, c'est comme bien. Les jours fériés, sauf que ça ne... Excusez-moi, mademoiselle, mais on vous avait pas demandé de vous faire des couettes aussi? Ah non, des couettes aussi? Oui, des couettes. Ah ouais, mais là, je trouvais que ça faisait beaucoup, déjà, avec... Oui, je sais, mais c'est le client qui veut ça. Le client? Oui. Ah bah, je vais lui faire les couettes au client, on n'a pas s'il de... S'il vous plaît. Non, parce que j'avais fait des petits macarons, t'as eu? Parce que ça me faisait penser dedans, il y en a un film et la dame, elle a toujours sa... une princesse. Parce que ça, ça fait un peu pendouillette. Hein. C'est pas... Ah ouais, d'accord, effectivement, ça vous va très bien. Bon, vous mettez de face, s'il vous plaît. Comme ça? Voilà, de profil. Non, tout le corps, de profil, s'il vous plaît. Ah ouais, pardon, oh, d'accord. Voilà. Vous mettez le dos. Allez, parallèlement du corps. Serrez les jambes. Allez. Vous vous mettez à quatre pattes. Et vous faites tout ce qu'on vous dit, vous. Hein? C'était une blague. Ah, d'accord, c'est bon. Vous connaissez la chorégraphie? Hein? Oui, c'est bon, la chorégraphie, je la connais. Le texte. Le texte, ça va, c'est un peu compliqué, mais c'est bon, ça va aller. Ouais. C'est bon, ouais. Très bien, ça va aller. Ouais. Ok, est-ce que vous avez la télécommande? Oui, monsieur, mais c'est où que je vais zapper l'endroit? C'est où? Alors, c'est devant vous, à jardin. Dans le jardin? Non, devant vous, sur votre droite. Devant, voilà. Ah, la petite lumière, voilà. D'accord. C'est bon. D'accord, là, je fais le... D'accord. Vous êtes prête, Juliette? Ouais, mais moi, j'ai un petit peu le trac parce que c'est la première fois que je vais passer une audition. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. D'accord. C'est quand vous voulez, on y va. Et, ben alors, je prends depuis le début. Je prends depuis... Ah, depuis le début, c'est mieux, ouais. D'accord. Je me sens libre et heureuse et épanouie. Je me sens transpirante, donc vivante. Mais, oui. Avec les adéquates assurances, je peux exercer mes activités en toute liberté. Rire. Attends, attendez, qu'est-ce que vous avez dit là? Hein? Là, le dernier mot que vous avez dit. Le dernier mot? Là, vous avez dit rire. Mais rire, oui. À ce moment-là, ce sont des didascalies. Des distas quoi?
des didascalies, ce sont des indications de l'auteur. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devez rire, mais vous ne dites pas rire. Vous comprenez? Fallait que je vais rigoler, moi, à la fin. Ouais. Et en fait, on m'avait dit rire, mais fallait que je vais rigoler. Exactement, ouais. Trop la honte, sérieux. Bon, écoutez, on reprend simplement la dernière phrase avec le rire à la fin, ok? Ok, d'accord. Alors, depuis... avec les adéquates assurances S'il vous plaît, ouais. D'accord. Alors, avec les adéquates assurances, je peux exercer mes activités en toute liberté. Rire. Merde, pas rire. Vous avez compris ou pas? Oui, non, j'ai compris. Non, mais monsieur, regarde, c'est parce que c'est mon cerveau, il enregistrait rire. Mais moi, j'ai compris. Il faut que je va rigoler. C'était... Mais c'est... comme le bon, moi... Mon cerveau, il va y arriver cette fois. Ouais. Ouais. Ah ben, alors on y va. D'accord, alors, à le même endroit. Bon, alors, avec les adéquates assurances, je peux exercer mes activités en toute liberté. Mais qu'est-ce que vous faites, là? Hein? Qu'est-ce que vous faites, là? Ben, je rigolais, là. Là, vous rigolez, là? Mais monsieur, c'est toi. Vous m'avez demandé de rigoler. Ah ouais, vous appelez ça rigoler, vous? C'est pas ça? Pas vraiment, non. Bah ouais, mais moi, je trouve pas ça très drôle, ce qu'a dit la meuf. On comprend pas trop pourquoi elle rigole, non? Pourquoi elle rigole, monsieur? Vous trouvez ça drôle? Mais on s'en fout de savoir si je trouve ça drôle ou pas. On vous donne un texte, hein, vous le dites, c'est tout. Mais on s'en fout de votre avis. Ok? Bah ok. Oh, excusez-moi, mais est-ce que vous êtes comédienne? Moi? Non, le pape. Ah, ça, elle est bonne, celle-là, ça c'est bon. Non, mais monsieur, regarde, sur le papier de l'audition, il y avait écrit dessus, même la comédienne débutante acceptée. Et comme vous cherchiez des grandes... Ouais, bon, et alors, vous prenez des cours, hein? Des cours de quoi? Des cours de cuisine. Des cours de cuisine? Mais non, des cours de théâtre. Est-ce que vous prenez des cours de théâtre? Ben oui, c'est... Non, j'en prends pas. Eh ben, vous devriez, hein? Parce que ce que vous me faites, là, depuis tout à l'heure, c'est mauvais, c'est très mauvais, c'est nul, hein? Moi, je me tape 300 nanas dans la journée, hein? 300 nanas, si à chaque fois, hein, qu'il y a une mutante comme vous qui arrive et que je dois lui expliquer pendant un quart d'heure, excusez-moi, mais je perds mon temps, d'accord? Ça n'est pas professionnel. Connaissez le mot professionnel? Ouais, professionnel, ça veut dire... Ne me pose pas la question si t'écoutes pas la réponse, hein! Merci beaucoup. Hein, on vous rappellera. Merci, au revoir. Hey, tu vas te détendre, toi. Hein. Comment? Comment, franchement, monsieur, là, comment vous parlez aux gens, ça ne se fait pas, hein, comme ça. Aux gens, en plus, on voit même pas ta gueule, on sait même pas qui t'es. T'es dans le noir, on sait même pas où t'es. C'est mauvais, dites-donc, t'es pas pour piquer une aile, hein. Eh, oh, mais tu t'es pris pour Dieu ou quoi, toi, là? Hein, tu crois que t'as inventé le fromage blanc, c'est ça? L'arvalo. Merci beaucoup, mademoiselle. Ouais, de rien, c'est bon, vas-y. On continue avec le numéro 69, s'il vous plaît. Non, c'est bon, ça saute, vas-y, reste là. Non, reste là. Quoi? 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 Ah bah ça t'en coupe un petit peu la quéquette là, hein? Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que je vais rester ici. Non. Bah si, mon frère, parce que je suis libre. Ah ouais? Bah ouais. Ah, et tu vas faire quoi là? Bah je vais faire les trucs de la meuf là. Je perds ma vie. Je suis bien dans mon corps parce que je suis toute pourrie. Je suis pourrie. Mais c'est toi la blague, l'espèce de mijaurette là. Ouais, bon, mais ça suffit là, ok? Ça suffit là, je. Mais oh, c'est bon! C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. C'est bon, bon. Bon, bon. Oh, mais tu me casses les couilles, toi! Mais casse les couilles, toi! Hein? Oh! Monsieur! Wow! Hey! Monsieur! Eh, hey, mais ça fait quand même, moi! Il m'a pris pour une chauve-souris ou quoi? Eh! Hey, tu veux que je vais te dire? Eh ben, c'est moi qui m'en vais. Ah ça, c'est le métier qui rentre.